Bonjour à tous, je vais faire les tirages sentimentaux pour les trois signes. Les signes de terre, alors les signes de terre, les taureaux, les signes de taureau, les signes de vierge, les signes de capricorne. Prenez, qu'est-ce qu'elle parle? C'est général, c'est pour mois de mars, les tirages. Là, je passe là, les vierges. On est là, la Vierge. Après, j'ai un conseil. Alors, les taureaux. J'ai mis là, sentimental, les taureaux. Alors, le conseil pour vous, cette mois de mars, les taureaux, c'est les chariots. Vous êtes réaliser quelque chose d'important pour vous avancer, beaucoup la volonté, vous êtes beaucoup de connaissances et quelque chose que ça va avancer dans votre relation générale, l'énergie générale. Pour vous, ça va avancer dans le couple, soit si vous êtes quelqu'un célibataire, vous à bientôt vous rencontrez quelqu'un, ou soit dans le couple, ça va bouger pour vous, quelque chose ça va bouger, un nouvel départ, une nouvelle relation, les gens qui sont séparés, qui soient séparés avec quelqu'un qui doit bouger, qui rencontre quelqu'un nouveau, ça dépend de votre situation, c'est les chariots, ça bouge pour vous, la relation sentimentale, les taureaux, si vous êtes quelqu'un dans votre cœur, ou soit c'est quelqu'un qui vous est éloigné. Et un changement, quelque chose, ça va bouger pour vous. Alors, les célibataires, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a envie à un projet à deux, un projet avec quelqu'un, construire une vie. Ou peut-être vous êtes planifié à acheter une maison avec quelqu'un, ou soit construire une vie avec quelqu'un, ou soit une maison que vous êtes envie faire à deux. C'est quelqu'un qui vient, une nouvelle relation, qu'il construit quelque chose de solide avec quelqu'un nouveau. C'est quelqu'un qui a envie de construire une maison ou soit acheter une maison. C'est quelqu'un qui vous aide vraiment à construire une vie, un vraiment nouvel amour pour vous, les célibataires. C'est la lettre D et les 10 carreaux. Les 10 carreaux, c'est quelque chose. Côté matériel, c'est une stabilité, quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui a envie de peut-être faire un crédit ou un prêt de l'argent pour construire une maison, ou soit acheter une maison avec quelqu'un, ou construire une vie avec quelqu'un. Alors, les gens qui sont séparés, qui ont besoin d'une communication claire, un nouvel départ avec quelqu'un qui vous est sacrifié beaucoup dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer clairement avec vous pour cette relation. Il y a une réussite dans votre relation. Les 6 du cœur, c'est l'amour, c'est quelqu'un qui a envie à un nouvel départ. Et la lettre E. C'est l'être et les gens qui sont séparés. Les gens qui sont dans le couple, qui ont besoin à vraiment que vous sentez beau, besoin peut-être vraiment communiquer clair dans votre couple. Peut-être c'est quelqu'un qui l'a éloigné de vous, quelqu'un qui prend les distances, quelqu'un qui vous êtes dans le couple, besoin de déplacer ou soit peut-être à deux parler pour une situation que vous voulez soit partir quelque part ou soit vous voulez défendre à votre relation, que vous sentez beaucoup l'amour pour cette personne, qui voulait donner une chance dans votre couple et pour communiquer à cause d'une tierce personne ou à une personne que vous êtes, vous l'éloignez les taureaux. Des gens qui sont peut-être qu'ils veulent faire problème dans votre relation de couple, il y a une chance pour vous. Et les lettres C, les lettres C comme Carlo, Carla ou Catherine, cet prénom peut-être ça va parler à quelqu'un. Prenez, qu'est-ce qu'il parle? S'il ne parle pas pour les lettres, ce n'est pas grave, c'est un message que je donne. Alors, on commence avec les célibataires. Les célibataires sont envie de construire vraiment une association avec quelqu'un, un nouvel mariage, un nouvel engagement. Vous achetez une maison, vous signez un contrat, un
acheter une maison à deux ou soit construire une maison à deux. C'est quelque chose qui vous êtes déjà travaillé, un projet à deux. Peut-être vous voulez faire quelque chose, une entreprise à deux avec votre partenaire. Vous êtes quelqu'un qui est en train de construire quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel engagement et une nouvelle signature, soit un projet à deux ou soit une construire une maison, acheter une maison, vous signez un contrat de cette maison à une maison qui vous faites un projet ensemble. Les gens qui sont dans le couple, ou soit les gens qui sont avec quelqu'un qui vous êtes séparés, il y a une chance, il y a un retour à une personne qui vous donne une chance pour un nouvel départ, il y a une communication, il y a un retour, il y a une personne qui donne une nouvelle, peut-être il y a un rendez-vous, soit quelqu'un qui vient visiter et qui vous êtes peut-être séparés et quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qu'elle veut donner une chance, il y a un nouvel départ, il y a un nouvel commencement avec cette quelqu'un qui vous aide beaucoup la chance à cette relation. Est-ce que dans le couple, il y a un problème peut-être temporaire, quelque chose qui vous doit couper, peut-être couper avec les gens, votre entourage, ou couper avec un problème de conflit avec quelqu'un, votre entourage, ou soit votre famille, ou soit une tierce personne, doit vraiment couper pour commencer un nouvel zéro avec votre partenaire et peut-être votre femme ou votre mari, et qu'il a un conflit, soit familial, conflit avec une tierce personne, et pour commencer un nouvel départ, peut-être construire vraiment une vie, soit vous êtes envie à peut-être retourner avec quelqu'un qui vous êtes séparé dans le couple, qui peut-être vous donner une chance à cause des enfants, si vous êtes déjà les enfants, vous voulez donner une chance, le taureau, à cause des enfants. Alors, pour les célibataires, Les célibataires doivent faire les deuils peut-être pour une relation de passé. Et c'est quelqu'un qui veut rencontrer nouveau, un nouvel départ avec quelqu'un, quelqu'un qui a un projet avec cette personne, peut-être faire construire une maison, soit faire un projet à deux. Et je vois encore l'argent, peut-être vous avez besoin à prendre les décisions pour cet projet à deux, peut-être acheter une maison ou soit un projet à deux, et vous êtes peut-être demandé à un prêt de l'argent ou soit vous êtes besoin de signer un contrat à deux pour faire cet projet ou soit acheter une maison ou soit construire une maison. Et vous faites les deuils coupés avec un travail peut-être ou une situation de passé, peut-être vous commencez un nouvel projet dans votre compte avec votre partenaire, nouvel amour, nouvelle relation, nouvel projet. Alors, les gens qui sont dans le passé, qui sont sentis dans la relation, peut-être il y a une tierce personne, ou soit vous sentez il n'y a pas de fidélité, ou quelque chose, excusez-moi, c'est là. Que vous êtes senti trahi dans le passé, ou soit vous pensez votre partenaire qu'il n'était pas fidèle, ou soit une tierce personne, vous donnez une chance à cette personne parce qu'il y a une stabilité dans le couple, il y a un retour, la communication, retour quelque chose, vous communiquez avec cette personne et c'est quelqu'un qui a envie vraiment de donner une chance. S'il a fait quelque chose dans le passé, vous pardonnez à cette personne. Alors, dans le couple, il doit faire libérer une barrière et quelque chose qui le bloque dans votre relation. Vous êtes coupé à une rupture, peut-être rupture ou une pause dans la relation de couple. Il y a un retour ou soit vous coupez vraiment avec une tierce personne ou avec un problème familial. La fin d'une situation, la fin d'un cycle et pour vous couper une barrière ou un blocage dans la relation et retourner la paix à la maison. Le foyer, peut-être vous coupez avec une personne, une tierce personne ou soit quelqu'un de votre famille qui a fait beaucoup de conflits dans le couple, peut-être vous êtes faire une pause et peut-être une séparation temporaire avec votre partenaire. Il y a un retour à la maison, le foyer. Si vous êtes déjà les enfants, vous êtes donné chance à votre partenaire, à cause les enfants pour retour à la maison. Il y a une coupure, peut-être c'est une coupure avec quelqu'un ou soit avec votre partenaire. Il y a une pause et c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose, ça
va durer pas longtemps parce qu'il y aura tout la paix à la maison et dans votre foyer. Alors, les conseils de réponse angélique pour les célibataires pour mois de mars. Sentimental, conseil de votre. Alors, quelque chose de mieux pour vous. C'est pour ça, cette relation, ça va quelque chose de mieux pour vous. Les gens qui sont destinés ou séparés, un conseil pour mois de mars. Alors, il y a une amélioration de l'état de santé. Peut-être il y a quelque chose à cause de la santé, ou soit à cause de la fidélité, ou à cause de quelque chose dans le passé, que vous êtes séparé avec quelqu'un à cause d'un problème, soit santé, ou soit une fidélité. Il y a une amélioration. Une amélioration, soit la santé, une amélioration dans votre relation. Le couple, pour mois de mars, les taureaux, le couple. Oui, il y a retour la paix, il y a retour la sincérité. Votre partenaire qu'il va le donner une chance, il y a la paix. Vous voyez la colombe pour moi c'est nouvelle. Il y a quelqu'un qui retourne à la maison, peut-être il y a une rupture temporaire ou soit vous êtes faire une pause à cause d'une tierce personne ou à cause de quelque chose de familial. Les taureaux, ça va retourner cette relation à une chance, le couple. Alors ça, les taureaux, pour les taureaux. On passe les vierges, les vierges, les conseils de vierges pour le mois de mars. Une carte, conseil de moi, un nouvel départ. Gardez la foi, ça va bouger. C'est quelqu'un qui vous êtes, peut-être, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un fidèle, vous rêvez à une personne, ou soit vous rêvez à une personne qui ne vous tendait pas, soit c'est préféré à rencontrer quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un nouveau, les célibataires, quelqu'un qui c'est une chance comme ça, quelqu'un qui vous êtes à une surprise, vous rencontrez quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un séparé avec quelqu'un qui pense à un nouvel départ, à une chance, parce que cette relation, il y a beaucoup de fidélité. Et c'est quelque chose que vous préférez à retourner avec cette personne. Ou c'est quelque chose, dans le couple, il y a beaucoup de fidélité, ou soit quelqu'un qui est peut-être, vous tendez pas à cette personne, qui a un changement dans le couple, quelqu'un qui veut un nouvel départ, ou soit quelqu'un qui est très fidèle dans le couple et qui vous donne une chance si vous êtes dans la difficulté dans le couple. Alors, les relations par les trois cartes, les célibataires. Les célibataires, toujours l'espoir, il y a quelque chose qui vous attendait, un nouvel quelqu'un qui vous a perdu le contact, ou soit quelqu'un qui est loin de vous, c'est la lettre M, et c'est quelqu'un peut-être vous rencontrez, soit professionnel, ou soit quelqu'un qui est loin de vous, qui vous donne beaucoup l'espoir, les contacts, et un nouvel contact avec cette personne, qui vous êtes perdu beaucoup, beaucoup la confiance à cette relation, peut-être dans le passé. Les gens qui sont séparés ou éloignés, c'est quelqu'un qui retourne, ou quelqu'un qui était loin de vous, ou soit quelqu'un qui est... Il est parti à l'étranger. Il y a un déplacement, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui travaille loin de vous, ou soit quelqu'un qui a été loin à cause du travail, ou soit elle est habitée dans l'étranger, ou soit elle est loin de vous. Il y a quelqu'un qui donne une nouvelle, ou quelque chose de courageux, quelqu'un beaucoup de courage, qui donne une nouvelle, quelqu'un avec les lettres N. Alors, le couple, il y a beaucoup de l'amour, quelqu'un avec les lettres C, et c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un a une grande sagesse, et vous sentez bien avec cette personne, il y a beaucoup de la paix intérieure, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de fidélité dans le couple, il y a beaucoup de partage, ou quelqu'un qui a beaucoup de l'amour pour vous, si vous êtes dans le couple, vous partagez beaucoup de choses, et c'est quelqu'un très sage dans la relation. Alors, on voit avec les cartes, les autres cartes, les vierges. Alors, les célibataires, vous cherchez vraiment la stabilité ou cherchez une nouvelle de quelqu'un. Quelqu'un qui nous donne une nouvelle ou quelqu'un qui vous a cherché longtemps contacté ou vous cherchez contacté avec une personne qui vous a perdu
les contacts, soit perdez les vœux ou soit vous êtes distante. Il retourne les communications, retourne la stabilité dans la relation, quelqu'un qui le donne nouvelle. Les gens qui sont séparés, c'est quelqu'un qui porte les masques, il doit tomber les masques, peut-être quelqu'un est loin de vous, ou soit quelqu'un à l'étranger, ou soit quelqu'un qui garde beaucoup de choses, qui a besoin de communiquer avec vous, et dites qu'est-ce que son sentiment pour vous, il doit déclarer son sentiment et voiler la relation ou les secrets, pourquoi elle est distante de vous, peut-être c'est quelqu'un qui l'a très occupé, un professionnel, ou soit quelqu'un qu'elle doit aller travailler à l'étranger, ou soit déplacé pour son travail, qu'elle doit tomber les masques, elle a beaucoup de sentiments pour vous, qu'elle va donner une chance à cette relation. Dans le couple, faites attention, dans le couple, il y a les jalousies, il y a le conflit, fais attention. Les tierces personnes, ou si les gens qui sont jalouses, ou les gens qui critiquent, ou soit si vous sentez peut-être quelqu'un enfermé, qui l'a enfermé vous-même, ou soit c'est quelqu'un proche de vous qui est jalouse, ou soit quelqu'un qui le critique dans votre relation, et il y a beaucoup de jalousie parce que vous êtes bien dans votre relation avec votre couple, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de l'amour ou la fidélité. C'est quelqu'un qui le critique. Alors, dans le couple, dans les gens qui sont célibataires, qu'elle doit faire les deuils à une relation de passé, il y a quelqu'un qui retourne, il y a un nouvel engagement, il y a un nouvel mariage, il y a une nouvelle stabilité dans le couple. Si vous êtes déjà les célibataires, que vous êtes quelqu'un qui est parti, qui doit faire les deuils, ou soit si vous êtes seul, il y a un nouvel départ avec quelqu'un, qui a un engagement officiel avec quelqu'un. Et alors, les jours qui sont séparés, peut-être il y a une surprise pour vous, il y a un contact, il y a une nouvelle. Quelqu'un qui vous désirait un contact ou une communication, vous souvenez beaucoup à cette personne, elle est distante de vous, et vous trouvez une solution, vous êtes quelqu'un, peut-être, vous ne tendez pas à cette personne qui retourne, peut-être il y a une surprise ou un contact, quelque chose que vous n'êtes pas attendu. Alors, les jeux de la coupe, ils doivent vraiment, ils doivent protéger vous contre les gens. Les gens mauvais, les critiques, les problèmes, les jalousies, et pour ne pas sentir malheur, vous protégez votre couple et protégez-vous dans l'extérieur, les gens malhonnêtes, les gens qui votre entourage, ou soit une personne, qu'il a une tierce personne, qu'elle fait beaucoup de problèmes, qu'elle veut faire le problème dans le couple, et vous refusez cette relation et le contact avec une personne mauvaise, une personne méchante, ou une personne soit dans la famille, ou soit une personne, une tierce personne. Et vous éloignez cette personne, vous protégez votre famille, et vous protégez vous à votre couple. C'est quelqu'un qui pousse les malheurs, qui ne veut pas les contacts avec ces gens. Quelqu'un qui pense beaucoup, il réfléchit beaucoup comment pousser cette relation avec un ami ou soit à quelqu'un de votre famille qui amène beaucoup les malheurs dans votre couple et vous êtes heureuse avec dans la relation de couple. Et quelqu'un qui veut vraiment faire les problèmes dans votre relation de couple. Et pour ça, vous poussez cette personne, vous ne voulez pas malheur, vous ne voulez pas rester, et vous cherchez comment éloigner cette personne, si quelqu'un peut-être proche de vous, quelqu'un de votre famille, ou soit quelqu'un, un ami, et quelqu'un qui cherche à faire le problème dans le couple, qui doit éloigner cette personne, vous réfléchissez, soit une femme ou un homme, que vous voulez pousser cette personne, qu'elle amène le malheur, et quelqu'un méchante, ou quelqu'un qui parle méchante de vous. Un conseil pour les célibataires. Vous pensez beaucoup à une personne et vous pensez peut-être à un engagement avec quelqu'un nouveau. Alors, le conseil pour les gens qui sont séparés, vous arrêtez pas cette relation, il y a un changement dans votre couple.
Alors, l'action du couple qu'elle doit éloigner, c'est une personne négative ou une personne qu'elle cherche à faire les problèmes dans le couple. Vous êtes besoin d'établissement, le couple, et quelqu'un qui vient dans votre relation de couple, qu'elle fait les problèmes, qu'elle cherche à faire les malheurs dans le couple. Vous poussez cette personne, vous pensez beaucoup à ça. Alors, les vierges, oh, faites attention. Les vierges, votre couple. Alors, les conseils de signe de Capricorne et les conseils pour mois de mars, pour vos sentimentales. Alors, sentimentales, les cinq deniers. Quelqu'un qui sent les manques, ou soit quelqu'un qui est triste, ou soit si vous êtes séparé avec quelqu'un, quelque chose à une pause, ou la relation à une séparation temporaire, soit dans le couple, ou soit dans la relation amoureuse. Et c'est quelqu'un qui vous a besoin vraiment parler et communiquer, dire les choses en face. Vous sentez malheureuse à une séparation avec quelqu'un si vous êtes séparé, ou soit si vous êtes dans le couple, vous êtes quelqu'un solide et vous protégez votre couple et à cause d'un problème, il a besoin peut-être faire une pause ou soit une séparation temporaire. Les gens qui sont séparés, vous avez besoin vraiment écoutez votre intuition et peut-être changer les visions, peut-être vous trouvez quelqu'un nouveau, peut-être vous sentez malheureuse à cause de la solitude ou soit une séparation si vous êtes célibataire et vous êtes séparé avec quelqu'un. Le signe de Capricorne. Alors, signe de Capricorne, les messages pour les célibataires. C'est quelqu'un nouveau. Alors, les célibataires, quelqu'un nouveau, quelqu'un vous rencontrez, quelqu'un il a une stabilité matérielle, et soit quelqu'un nouveau, ou soit vous laissez une séparation avec quelqu'un dans le passé, qui vous êtes senti à un changement et pour avancer dans votre relation. Il y a quelque chose de nouveau, vous rencontrez un nouvel amour, vous quittez une personne, vous quittez une relation et pour vous, il y a un nouvel départ avec quelqu'un stable ou quelqu'un qui vous sentez protégé ou un nouvel amour ou un nouvel construire une vie. Il y a beaucoup de chance, cette personne elle a une stabilité dans sa vie. Et quelqu'un stable. Les gens qui sont dans la séparation, soyez confiance à vous parce que vous avez besoin vraiment d'occuper dans votre santé. Si vous êtes séparé avec quelqu'un, besoin prenez soin de vous, faire une pause. C'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose, c'est pas pour toujours. Cette séparation, c'est besoin, le top pour vous, prenez soin de votre santé parce que vous êtes beaucoup triste à cause de cette personne et besoin vraiment prenez soin de vous. Et cette chose, c'est temporaire. C'est lettre O et lettre H. Elle est lettre L. Les jours dans le couple, il y a quelqu'un qui a besoin d'un changement. Dans le couple, il y a libération, il y a quelque chose dans le passé, un problème de passé. Pour ça, il y a une pause ou une séparation temporaire pour réfléchir dans votre relation de couple. Peut-être vous avez besoin de partir loin de votre partenaire pour réfléchir dans le couple. Qu'est-ce qui doit changer dans le couple? Il y a quelque chose dans le passé qui vous est resté bloqué. Il y a un succès dans votre relation de couple, il y a un changement, il y a un retour, les communications. Dans votre relation de couple, il y a une chance. Alors, la relation célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous libérez, vous prenez soin de votre santé. Il y a quelqu'un qui est nouvelle, une personne que vous sentez bien-être avec un nouvel amour, un nouvel départ. Vous prenez soin de vous, vous rencontrez quelqu'un nouveau. Et c'est comme un cadeau pour vous, cette personne nouveau. Alors, les gens qui sont séparés, distants, peut-être vous êtes distants parce que vous êtes senti froid la relation, ou soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et besoin vous s'éloigner pour prendre une pause ou un temps pour réparer la relation. Il y a quelque chose, cette personne, elle est honnête, quelqu'un gentil, quelqu'un bien, et quelqu'un qui, quelqu'un
pouvez beaucoup de confiance à cette personne. Si vous êtes séparés, c'est temporaire, c'est pas pour toujours. Il y a quelque chose pour vous dans le passé qui doit libérer, soit le masculin ou le féminin, qu'elle doit libérer le passé, qu'elle tente un nouvel départ et quelque chose, ça va retourner dans le couple, un nouvel départ, une nouvelle harmonie, une nouvelle relation, ou soit c'est quelqu'un qui est éloigné de vous dans le couple, qui réfléchit, qui a besoin d'une pause et quelqu'un qui retourne à la maison les jours qui sont dans le couple, les signes de Capricorne. Alors, les gens qui sont dans le passé, qui sont malades ou qui sont en séparation avec quelqu'un célibataire, vous libérez les maladies, vous libérez les tristesses. Il y a un nouvel départ, ça va bouger pour vous. Et quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui rencontre quelqu'un avec l'emplacement, ou soit quelqu'un qu'elle voyage, ou soit c'est quelqu'un distant, vous rencontrez quelqu'un et peut-être il y a une amélioration de votre santé parce que vous vous sentez triste à une séparation de passé. Alors, si vous êtes séparé avec quelqu'un, c'est à cause d'une tierce personne, ou une jalousie, ou une personne, soit proche, ou une personne qui a fait le problème derrière votre dos. C'est quelqu'un méchant, ou quelqu'un qui veut faire le problème, ou quelqu'un qui observe vous, ou soit une tierce personne, soit quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un, un ami. Et il y a beaucoup de l'amour, il y a quelqu'un très sincère, ou quelqu'un amable, ou quelqu'un gentil, ou quelqu'un fidèle. Alors, pour moi, c'est quelqu'un à cause d'une tierce personne qui vous êtes séparés. Alors, les personnes dans le couple, pour moi, il y a quelqu'un beaucoup de bonheur, un amour stable, un amour beaucoup de bonheur dans le retour dans le foyer. Et si quelqu'un, peut-être, il a envie un petit peu faire une pause, peut-être les pauses pour aider à réfléchir et améliorer les choses dans votre relation de couple. Alors, les célibataires, le conseil pour moi, Max. Les célibataires, il y a quelque chose la prochaine semaine, le prochain mois, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouvel contact avec quelqu'un ou un nouvel départ avec quelqu'un. Les gens qui sont séparés ou sont distants, c'est quelque chose qui n'est pas tout de suite, peut-être, c'est pas. Les choses, ça va retourner tout de suite. C'est besoin peut-être faire une pause, besoin faire une séparation temporaire, peut-être besoin le temps, peut-être mois de mars, il y a une brique ou quelque chose qui doit faire, régler un problème à cause d'une personne ou à une jalousie ou à une tierce personne. Et je tire une carte, deuxième carte pour vous, c'est écouter votre intuition. C'est quelqu'un qui l'aime beaucoup, vous, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité, mais vous, peut-être, vous êtes jalousé. Ou soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui cherche à faire les problèmes dans votre relation et vous êtes besoin de faire une pause, quelque chose de temporaire. Il y a un retour, peut-être essayez mois de mars, peut-être travailler sur vous, prenez soin de votre santé parce que vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous êtes triste par cette séparation. Éloignez-moi avec quelqu'un, besoin prenez le temps, écoutez votre intuition. Il y a un retour, peut-être la fin du mois de mars ou soit avril, il y a un retour parce qu'il y a quelque chose qui a besoin vraiment faire une pause. Les relations de couple. Les relations de couple, il y a une nouvelle, choisir une nouvelle direction. Pour moi, il y a un changement dans le couple. Les signes de Capricorne, c'est quelque chose, ça va changer pour vous. C'est pour ça. Peut-être cette personne qui a besoin de pause et quelqu'un qui a besoin de parler directement en face à face pour dire les choses. Et c'est quelqu'un qui change quelque chose dans votre relation de couple, ou soit vous changez la maison, vous déménagez, ou soit vous achetez une maison à deux. C'est quelque chose de positif pour le couple. C'est pour ça, les gens qui sont séparés, écoutez votre intuition, qu'elle voit le message, cette relation, c'est pas fini, cette personne qui a besoin d'une pause, qui a besoin de réfléchir, et vous aussi, besoin aussi, prenez soin de votre santé. Si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup jalouse, doit travailler sur vous, parce que c'est les jalousies, à cause des jalousies, peut-être vous êtes séparés.
Et si vous êtes quelqu'un qui observe tout le temps votre partenaire et qui contrôle tout le temps, peut-être c'est à cause de la jalousie, peut-être il y a une séparation, ou soit c'est à cause d'une tierce personne. Les gens célibataires, il y a quelque chose de nouveau pour vous et qui vous sortez un deuil ou une séparation avec quelqu'un de passé. Et pour une nouvelle relation, à bientôt, peut-être mois de mars, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Voilà, c'est fini les signes de Capricorne, les trois signes, les taureaux, les vierges, les signes de Capricorne, cette vidéo. Alors, merci beaucoup, votre soutien, votre fidélité. Au revoir, bonne journée. À bientôt, mes amis.